ça y est, je vous retrouve pour un vlog. Regardez le paysage derrière, franchement je suis trop fan. Donc pour vous expliquer, donc là nous sommes en Californie toujours, donc nous sommes aux États-Unis. Nous sommes partis, donc en fait pour vous expliquer, nous sommes partis de Paris donc hier matin. Nous sommes arrivés, donc on a fait une escale à Dublin, ensuite nous sommes arrivés à San Francisco. San Francisco on a passé une nuit et ensuite eh bien là nous avons pris donc la voiture direction Portland, direction le nord des États-Unis et regardez les paysages, franchement je suis trop fan. En plus ce qui est vraiment pas mal c'est qu'en fait on est parti, donc là on est toujours en Californie, mais quand on est parti de San Francisco le paysage était vraiment très aride avec de l'herbe très sèche et plus on monte plus on a des sapins, des arbres, de la verdure, c'est beaucoup trop beau. Voilà, donc je vous embarque encore pour un nouveau vlog, enfin des nouveaux vlogs puisqu'il y en aura plusieurs. Et j'espère que ça va vous plaire, en plus nouvelle caméra, donc j'espère que la qualité vous plaît, que le son vous plaît également. Et franchement ouais, je suis extrêmement fan de ces paysages. Voilà, donc là on va reprendre la route, donc c'est moi qui conduisais jusqu'à présent, enfin Flyin a commencé ce matin de San Francisco. Et après j'ai repris la route et là je pense que c'est moi qui vais reprendre ou pas, je sais pas, parce que c'est très comme ça là. Là il va falloir monter tout en haut parce qu'il n'y a que des montagnes et mes deux hommes sont là-bas, juste ici. Voilà, franchement j'aime trop. Et voici la voiture que nous avons pour ce road trip. J'aime trop la plaque, donc c'est une Dodge Charger. Et franchement là on a sous le capot hein. Elle est très belle, elle sera encore plus stylée en rouge, en jaune ou en une autre couleur, mais franchement elle est très 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 belle. Allez, on continue. Énormément de wagons. Mais oui,
qu'on vient à Portland, c'était vraiment un de nos goals d'aller voir cette cascade, parce qu'on adore les cascades. Et donc c'est à Multnomah Falls. Et franchement, je suis trop contente parce que c'est un endroit qu'on rêvait d'avoir et vous allez voir, c'est magnifique. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous trouvez ça beau. Franchement, je suis trop fan, vraiment. Je suis vraiment contente d'être ici. Depuis le temps qu'on rêvait de venir là, c'est trop bien. Puis en plus, regardez, il y a plein de verdure partout. Je tourne la caméra, là vous avez donc un filet bien sûr. D'ailleurs, heureusement, parce qu'il y a des gros rochers qui sont un peu tombés. Regardez, là, heureusement que le filet est là. Oups, il est tombé. Donc, petite précision, si vous venez ici, venez tôt le matin, parce que il y a du monde. Et là, il est quelle heure? Il est 9h39, et il y a quand même beaucoup de monde. Donc venez quand même assez tôt. Hop. Et voilà, on va descendre petit à petit. Alors après, j'ai pas beaucoup filmé sur Portland parce qu'on est arrivé, il n'était pas si tôt que ça hier. On a fait des courses, on a marché un peu dans les rues et j'avais pas ma caméra. Du coup, je refilmerai un petit peu tout à l'heure pour Portland parce que demain, on s'en va. You have
sommes devant le panneau Portland, Oregon, qui est juste ici. Là. Et en fait, voilà, j'ai pris des photos avec mes livres, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le tome 2 se passe à Portland. Voilà. Bon, le cadrage, hein, s'il est pas ouf, c'est Alec. Puisque Eagle Falls, eh bien, se passe, donc la ville que j'ai inventée est juste à côté de Portland. Voilà, et le tome 2 se passe. Et je disais, j'ai pris des photos avec mes livres, avec le panneau Portland, puisque le tome 2 se passe à Portland. Voilà. Donc c'est trop cool. Hop, 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 hop. Et là, nous allons reprendre la route pour aller en direction d'une ville qui est donc à 30 minutes d'ici. Et voilà. Et après, on va aller dans une autre ville, Forks.